MDN Crew est un groupe de musique urbaine du Niger. Il est composé de deux jeunes frères, Majesté Soul et Sir Muslim, de leur vrai nom Suleiman et Zaberu Barki. Ils ont formé le groupe en 2002. Pour ces deux frères, la musique est une histoire de passion. Cette passion n'a pas détourné ces deux artistes de leurs études. Mieux, ils ont su concilier leur activité académique avec celle de la musique. On chante du tout. À un moment, on a commencé avec du rap hardcore. Au début, c'était pour s'amuser. On faisait que la musique, nous, pour s'amuser, on étudiait tous. À la maison, c'était même pas évident qu'on nous laisse faire de la musique une carrière. Donc au début, on faisait ça juste pour s'amuser entre potes et tout. Et après, donc à ce moment-là, c'est que du rap qu'on faisait. On faisait du rap hard et tout. Et après, avec l'aide de Dieu, on s'est converti maintenant à la musique africaine. Révélé au public nigérien en 2008, MDM Crew chante les espoirs, les désespoirs des Nigériens, l'amour, l'espérance, mais aussi leur quotidien. Le groupe a 4 albums à son actif. Artistes engagés, Majesté Sour et Sel Muslim n'hésitent pas à promouvoir dans leurs chansons la culture africaine, mais aussi la justice sociale et la protection des enfants. Mais quand on a parlé de sensibilisation, je pense qu'on va chanter sur le son en manque de love, qu'on a chanté pour des femmes martyrisées et tout, chez elles. Et tout, donc moi je pense que c'est encore pour mieux montrer à quel point c'est notre thème et tout, quoi. C'est pour des femmes en manque de love, à travers ce son we love ya. C'est pour des femmes au cœur brisé, parce qu'elles ont créé leur lover. Leader musical incontesté sur la scène nigérienne, les deux frères vont à la conquête de la scène internationale et sont aujourd'hui l'un des groupes nigériens le plus diffusé sur les grandes chaînes de télévision musicale. Le dernier album du groupe intitulé Légende est sorti le 1er avril 2017. L'entrée dans l'univers raga rap dancehall du groupe MDM Crew fait aujourd'hui bouger la jeunesse nigérienne.